Et bonjour tout le monde, c'est Revanzmil et bienvenue sur Hearthstone pour le bras de fer de la semaine. On va tester. Chasseur, prêtre, mage, druide, chaman, guerrier, paladin, démoniste. Chaman, voilà, go. C'est le bras de fer de l'aléatoire donc. Que de l'aléatoire. On va voir comment se passe cet essai, donc c'est... Que dire Troll. Contre Troll. Ça a l'air d'être Troll le main, le personnage principal de ce... bras de fer, ça a l'air d'être vraiment le Troll en principal. Ah, que de la merde, c'est trop cher. Tour 4 et 8, faut pas déconner. 8, 4, 2, 5, ouais, super. Et bonjour. C'est incroyable. Ouais, si tu veux. Ouais, moi je peux dire pareil, mais bon. Troll, le transfert, C'est pété, c'est ultra pété. Transforme le serviteur, autant un de plus, donc on va faire ça. C'est incroyable. Moi aussi je sais dire ça. On fera plus de dégâts. Hey, merde. J'ai même pas de chat là-dessus. C'est incroyable. Ouais, je sais le faire moi aussi. Frigia va le réduire au silence celui-là, mais bon. Incroyable. Donc, un poulet et super étincelle. Ah ouais, non. On va mettre le poulet. Oups. Quelle erreur. C'est incroyable. C'est pas ce que je voulais faire. Je vais donner un Diplodocus, mais elle sert à rien cette carte. Ouais, admirable là. C'est incroyable. Ce poulet, il a pris tellement de tarifs. Ouais, bon, ça a bugué sur l'affichage, m'en voulez pas. Allez, voilà. Ça fait incroyable. Merci. Ça fait tout le temps. D'accord, ça fait juste quand ça arrive. Ok, donc ça c'est bon. Qu'en faire la puissance du rock. Ah, à moins que... Cette jungle renferme... Nice. C'est incroyable. Par les éléments. Moi aussi, on s'en fait pas la même chose. Ce soir, écoutez le récit d'une histoire merveilleuse. Ouais, alors je vais faire exaltation là-dessus, ça va servir à rien, mais bon. Par contre, j'ai pas de quoi détruire. C'est incroyable. Par les éléments. Aïe, ça va commencer à faire mal là. Et j'ai rien pour le blast, ça va être chaud là. On teste ça. J'aimerais bien savoir ce que je dois jouer. Comme si j'ai pas de charge. Eh merde. C'est incroyable. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et... Ouais, non. Ah non, il fait ça comme ça, d'accord, merci. Parce qu'il pouvait gagner. S'il avait de la chance, en fait, s'il misait sur la chance, il m'a tapé à moi, uniquement à moi. Et il gagnait.
D'accord, c'est juste un poulet qui fait piocher. Furie des vents, je m'en doutais un peu. Le totem. Merci. On tente. Ok, super. C'est incroyable. Bien joué. Bien joué. Ça servait clairement à rien. Invoque un guerrier. Ah merde. Un guerrier de la horde. C'était un guerrier de la horde. Alors que je jouais ça, je foutais l'exaltation dessus. Bon, bon, on va ouvrir le booster, hein, c'est tout. Putain, mais j'ai jamais de chat avec l'aléatoire, c'est impressionnant. Oh, il va m'abattre avec lui, c'est obligé. D'accord, merci pour Ragnaros. Bien joué. Bien joué. J'ai jamais de chat sur l'aléatoire. Tumpi. Donc on ouvre les boosters et on va se quitter là, mesdames et messieurs, pour ce bras de fer. Non, oh non, mais on est pas mi-avril, on est le combien? On doit être le 13 ou 14, ou 12, je sais plus. Ok, donc on a un Brachio, on a un tracker écaille de terreur, et... Oh, il est mignon. Oh, le Murloc, il est trop mignon. Je vais jouer celui-là, tiens. Il me plaît. Dans les 4, j'en suis où? Je regarde juste ça et ce sera tout. Donc ça, on va le garder pour plus tard, et les bêtes, on va s'en occuper aussi. Donc, je vous dis, n'hésitez pas, si vous voulez voir plus de d'aléatoires contre moi, à mettre un pouce bleu ou un commentaire, et même abonnez-vous, et... Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et bye bye, c'était Revan's Mill.